Quiero jugar así que chapa acá. What's up la family? C'est Olivier. T'as fait quoi Olivier? T'es pas ce gros Sylvain. Hey, oh, quelqu'un qui fait la musique Sylvain. Et là comme ça on a... Il a fait comme ça, il a perdu mes frères. Écoute-moi, on leur en fait Sylvain. What's up la family? C'est Olivier et Sylvain des Maroni Bro. On se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est qui? What's up la family? C'est Olivier et Sylvain des Maroni Bro. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Exactement, parce que là nous allons réagir à nos anciennes vidéos partie 2. Et si vous n'avez pas vu la première partie, attends que je termine de dire ce que j'ai à dire, allez la regarder tout de suite, le lien est en description. Déjà le premier épisode il était incroyable. Comme par hasard pour réagir à nos anciennes vidéos avec nos têtes un peu cheloues, il y a eu quasiment 4 millions de vues hein, pour voir nos vidéos géantes. Donc on s'est dit ok, on va faire l'épisode 2 comme ça hein. Ok, parce que vous avez dit dans les commentaires, oui on veut voir l'épisode 2, on veut voir vos têtes cheloues et tout ça, avec Steven qui n'a pas de moustache, tout ça, pas de barre et tout ça. J'ai précisé ça. Oui mais faut le dire. Alors on va regarder. Bref, on commence les gars. On s'était arrêté à Dans le Noir. Ouais. Dans le Noir on s'était arrêté. Cette vidéo elle a... l'une des préférées de nos parents. Ouais. Elle a buzzé cette vidéo. Oh mon dieu ta tête. Non les gars. Regardez la tête de Steven. Oh mon dieu! Ah oui, c'était au moment où le monsieur François Hollande, il avait parlé du fait que... Il y a eu des tensions avec la Russie. La Russie, il avait dit, nous sommes en guerre. Non, ouais. On déclare la guerre. La France est en guerre. Oh ma tête, avec mon défrisage. Oh là là, oh les manettes. Xbox 1, PS3. Ah, la télé qu'on avait. Oh purée. Cette vidéo, elle date de... Steven, elle date de 2015. 6 décembre 2015. J'avais 16 ans. Purée. Ça, c'est une tête de gars qui a 16 ans, ça? Non, c'est sûr. Non. Attends, tu triches. Ah, PS3. Attends, mais déjà, est-ce qu'il y a déjà des gens qui jouent comme ça en mode clac clac? Je crois qu'on est une sauce sur YouTube à personne, quoi. Ah oui, clairement. Depuis quand on joue comme ça? Oh mon chien. Ça, c'est le genre de Fortnite, cher. Regarde ça, regarde le manque de muscles. À chaque fois que tu dis ça, mais c'est la vérité, mais regarde comment on est. Pourtant, on mangeait à notre coup, frère. On mangeait à notre faim. On mangeait à notre faim. Oh, j'arrive. La chance. Oh, mes cheveux. Oh, tes cheveux. Oh, mes cheveux. Oh, là, là. Défrisage. Oh, le Wiko. Avant, les temps étaient durs, tu vois. Moi, on respecte ceux qui ont le Wiko. Mais j'avoue. Ah, c'est chaud. Oh, c'est gênant. Ah non, c'est gênant. Et vous allez voir les effets spéciaux, la bonne famille. C'est là qu'on a commencé à mettre des effets spéciaux. L'alarme. Magnifique. Carrément, c'est du réel. Si on a vraiment pleuré. Ah, la vue. Mais calme-toi, frère. Mets ça en bas de l'écran. Non. Si. Attends. Regarde. Mais j'étais malade. Ouais. J'avais laissé, c'est psychologique, c'est pas possible. Non, mais... Regarde, t'es heureux et regarde ça. Le monde après, tranquille. Bien sûr. Bonjour. Pause. Juste, attends. Il y a toi, mais regarde-moi, Olivier. J'ai l'impression d'être un gamin qui se prend pour un adulte. Aucune crédibilité. Aucune crédibilité. Ça fera total de 10,50€. Vous voulez un sac? Oui, monsieur. Oh mon dieu. Oh là là, ma tête. Monsieur? Monsieur? Le manque de crème sur les lèvres. Là, c'était gris, frère. Non, regarde mon contour. Il commence, il descend. Tous les renois, on est ensemble, les frères. Ouais. Oh, oh, les poissons. Mais frère, j'ai vu un semblant de crier, quoi. Croissant, mais what? Ça me met mal à l'aise. Quand on venait de déménager, on avait peur que les voisins réagissent, et surtout nos parents. Oh purée, oh là. Les gars, là on dirait pas, mais c'est moi qui tiens la caméra. Parce que justement, on n'avait pas les moyens avant. On n'avait pas de trépied, donc en gros, j'étais en train de tenir comme ça, mais je faisais genre en mode comme si, genre, c'est quelqu'un qui filme, tu vois. Tu pars raconter la nouvelle. Tu pars raconter la nouvelle. J'ai sauvé la vie d'un enfant. En plus, je me trouve le mec en mode chemise, c'est le col relevé, un peu déboutonné. Alors que c'est le père en plus, hein. Techniquement, c'est la chemise du père, hein. Bah oui. Bah ouais. Oh les gars, papa Bro était comme ça avant. Mais je te raconte. Tu pars raconter la nouvelle. Vas-y. Ok, j'arrive dans le couloir. Non, je vais même pas mettre la reste de la vidéo. Oh. Non, continue. Et là, je vois un appartement en feu. Je cours. Attends, pause. D'où est-ce que t'as vu un appartement en feu? Y'a pas de feu. Y'a rien. Je vois un appartement en feu. Mais ouais, c'est... En gros, on n'avait pas encore des effets de feu. J'avais mis la colorimétrie en orange. Mais ça sert à rien. Parce que je voulais faire genre, oh mon dieu, y'a du feu. Là, j'ouvre la porte. Le bien, t'es supportable.
Pourquoi la porte est ouverte? Ceux qui ont vu ça, c'est franchement... Allez, là, les gars. Carrément, pardon. On ne savait pas, à l'époque, pour nous, c'était Hollywood. T'avais peur? Je veux voir qui c'est. Là, je vois l'enfant. Mais l'enfant, c'est Tigrou, frère. Le mur s'effondre, et là, je décide de sauver. Et c'est comme ça que je suis devenu... un héros. Bien joué! Ah, désolé, je parlais de mes potes. Tu disais quoi? Là, j'avoue, c'est fini. Je voulais justement qu'on continue à faire d'autres vidéos où justement on réagit à nos anciennes vidéos gênantes. N'hésitez pas à liker au maximum. Genre, vraiment. Et vous, vous tous, tous ceux qui regardent, commentez. D'accord? Pour qu'on puisse faire un épisode 3. Mettez 3, le chiffre 3 en commentaire, ouais. Pour qu'on puisse continuer à voir le prochain épisode. Attends, tu te rappelles ce sweat? Ce sweat, il a saigné. Oh, mais mon Dieu! Tellement! Il a fini en poussière. Il a fini en poussière. J'ai tellement utilisé. Je l'ai acheté sur internet, les gars. Sur le site, il paraissait tellement plus beau. Mais quand je l'ai acheté, il paraissait tellement plus... Genre, quelqu'un l'a utilisé déjà, quoi. Ouais. Ah ouais. Genre, il était... Genre, les couleurs, normalement, c'est beaucoup plus foncé que ça et plus, tu vois. Ouais. Et non. J'ai vu un truc. Les pellicules. Un gamin où? Oh, les pellicules. Ça arrive, check toi. Cette cascade, non. Cette cascade, on a tellement eu peur. Là. Pause, pause. J'étais le seul parmi tout le monde à dire, les gars, je le sens. Mais Olivier était comme à dire, non, Steven, t'es malade. En vrai, il est haut quand même, il est haut. Sincèrement, c'est quoi, c'est la première cascade dehors. Oui, de... première cascade dehors. Genre, il n'y a pas de corde. Voilà, chez nous, genre, il y a soit un matelas ou je sais pas, quelque chose qui nous retient, tu vois. Mais là, c'était en mode, si je tombe, c'est le bitume. Et moi, j'étais en dessous en plus. On voit, il y a quelqu'un qui est là pour me rattraper. Ah oh, Steven, après 6 ans, Steven, j'ai jamais vu ça. T'as pas vu ça? Non. Voilà, là. Là, oh là là, j'avais pas vu ça. Anecdote, la bonne famille, ce sont mes béquilles. Ouais, qui a gardé pendant 2 ans. 2-3 ans, ouais. Parce que en gros, j'ai une grosse blessure, je crois que j'ai déjà dit. Tu as déjà dit, ouais, rupture des ligaments croisés. Rupture des ligaments croisés latéral. Plus, après, voilà, ils ont dû casser pour la réaxer ma jambe. Et après, je l'ai fait opérer. Puis après, 2 mois plus tard, j'ai été fait opérer encore une fois. Mais bref, en tout cas, ce sont mes béquilles que j'ai gardées. Mais je crois que je les ai toujours en plus. Hein. Sérieux? Ouais, je les ai toujours. Ah, ouais. Pourquoi je kiffais ces béquilles? Les gens, à l'époque où j'en avais, les gens, ils avaient des béquilles, mais tu sais, les bleus là. Oui, mais qui sont durs. T'as pas de coussin. Mais moi, il y avait des coussinets. Et j'étais en mode, wow, t'es la Mercedes de à ce moment-là, la Bro Family, Steven, il fait genre, il pousse, mais la porte était ouverte. Donc, oui, en gros, il fait ça. Parce qu'en gros, on voulait pas faire du bruit, casser la porte. Ouais, ouais, quelle fois on pensait beaucoup à nos voisins avant. Je te jure. Après, au bout de 1 ou 2 ans, ils ont vu, on les a pas ratés. Ouais, surtout que quand on a vu qu'ils regardaient nos vidéos, on a dit, bon, s'ils entendent des cris, ils savent qu'on fait des vidéos. Mais pourtant, des fois, il y avait à 3h du matin des. Franchement, on avait les meilleurs voisins au monde. Ah oui, mais oui, franchement, les meilleurs. En plus, voilà, je pense qu'ils regardent nos vidéos, on vous kiffe. De gros bisous. Tu peux prendre la télécommande, s'il te plaît? Tu m'as appelé pour ça? Mais oui que je t'ai appelé pour ça, vas-y, prends-la! Ça, c'était genre la fin de nos vidéos. On la garde de bain. On fait souvent écran noir, ralenti, slow motion. Et on tombe. La bonne famille, là, carrément. Si on continue à regarder d'autres vidéos, je pourrais même pas parler. Là, déjà, j'arrive même pas à parler. Parce que non, parce qu'après, c'est hard aussi. C'est hard. Non, c'est vraiment, je suis tellement gêné, puré. Oh mon Dieu. Même au-delà d'être gêné, on vous raconte même des anecdotes. C'est ça qui est bien aussi. Là, j'ai mal, là, ici. Hein. C'est le rire jaune. Ouais. Non, mais bref, c'est gênant, là. Mais bon, bref, si vous voulez un 3e épisode, n'hésitez pas, les gars, à commenter. Comme on a dit, le chiffre 3. Likez, commentez. Partagez, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager comme Steven l'a bien dit. Allez sur le site lesparodibro.com pour vous habiller en mode pyromanquin. Et sur ce, les gars, ciao. Ciao.